Yo tout le monde, c'est Kero, j'espère que vous allez bien. Et donc on se retrouve pour l'épisode 6 de mon let's play sur Outlast. Et rappelez-vous, la dernière fois, on s'était débarrassé de l'homme avec les ciseaux là. Il nous avait coupé les doigts et tout, cet enfoiré. Et on avait réussi à lui échapper, puis à le tuer avec grâce à l'ascenseur qu'il était retombé dessus. Et on s'était aussi débarrassé avant des deux jumeaux. Enfin, je les appelle les jumeaux, ça se trouve, ils s'appellent pas comme ça, mais je les appelle les deux jumeaux parce qu'ils sont tout le temps ensemble. Et on avait réussi à leur échapper eux aussi, mais eux ils sont pas morts. Donc attention qu'on retombe pas dessus. Et je teste un petit peu, comme vous le voyez, des nouvelles choses. J'avais déjà testé au début de l'épisode 5. Voilà, de vous montrer ma caméra en plein écran. Donc voilà, je teste un petit peu des trucs au montage. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si ça vous plaît de ce nouveau format. Et on est parti les amis, donc on s'était retrouvé ici, on s'était arrêté ici. Et donc vous voyez que lui il est là, avec son cul tout dégueulasse et tout là. Est-ce qu'on peut monter ici, vous pensez? Non, on peut pas. Bon. Il y a des tableaux. Est-ce que c'est le père Martin lui? Non. Favre, Thomas, Wilter. Ok. Et lui c'est qui? Wilfred, machin. Ok. C'est pas les pères Martin, eux. Ouais, donc on doit retrouver le père Martin. Il faut d'abord aller rejoindre le rez-de-chaussée de l'aile des hommes. Donc c'est ce qu'on va faire. Puis essayer de sortir de cet enfer-là, parce que ça commence à puer. J'entends des bruits, mais je crois que c'est de l'eau qui coule quelque part. Bref. En tout cas, vous, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous mettre dans l'ambiance, dans le noir. Installez-vous confortablement. Moi, comme vous le savez, je le répète à chaque fois, mais je peux pas me mettre complètement dans le noir, sinon vous me verrez pas à la caméra. Donc ça descend ici. On va aller voir en haut ce qu'il y a avant. On va aller voir en haut. Est-ce qu'on peut fermer? On peut fermer. Vas-y, ferme. Hop. Ok. Putain, ça pleut à verse dehors. Ici, je suppose qu'on peut pas passer. Ok, donc il faut descendre en bas. C'est parti! Comment on fait déjà pour courir? Ok. Let's go! Il y a un passage ici. Ah, je suis sûr qu'il y a des piles ici, quelque part. Eh oui, c'était sûr! C'était sûr! La bonne cachette pour avoir des piles. Ok, il n'y a rien là. Je suppose que ici c'est fermé aussi. Et donc on est obligé de passer par là. Alors, sur quoi on va tomber ici? On peut retomber aussi sur Bobby. Faut pas l'oublier, Bobby. Je suis sûr qu'on va retomber sur lui. Notre ami Bobby. Teamwork. Patrick Petrina. Ok. La Murkoff. Y a rien d'autre. Bon. Vas-y, ouvre. Hop. Je me rappelle plus trop d'ici, à vrai dire. Oh, y a plein de trucs, comme vous savez, que je me rappelle plus, hein. Ça fait longtemps que j'ai vu le let's play. Enfin, ça fait longtemps. Je suis celui de Icemine, mais il y a des trucs que je me rappelle plus encore. Partout des tableaux et tout. Ça pue, ça. Putain, les piles. On peut passer par là au pire? Non, on peut pas. Ok. Putain, ça pue, là. Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça pue ici. Est-ce qu'on peut zoomer? Ouais. Putain, ça pue, là. Un grand espace comme ça et tout. Je sais pas pourquoi, mais ça pue. Oh! C'est Père Martin! Le soleil, vous avez survécu. Comme les autres, retrouvons-moi à l'extérieur, nous approchons. Moi, c'est le Père Martin. Lui. Retrouvez le Père Martin! Voilà, à l'extérieur. À l'extérieur. Ah! On va aller un petit peu en extérieur, sous la pluie. Ça va faire du bien. Enfin, ça va faire du bien. Surtout me faire caca dessus, oui. Enfin, je vais pas vous spoiler, mais je vais me faire bientôt caca dessus. On va changer la pile. Vite. Ok. On va déjà aller par là. Ok. Des toilettes. Oh, c'est quoi ça? Ah! Putain, c'est Bobby. C'est Bobby qui a fait ça. T'es où, Bobby? Pourquoi t'as fait ça? T'es pas gentil, Bobby. Hein. Ah, des piles. What? Pour ouvrir, s'il te plaît. Ah, ok. Faut tirer vers soi.
Ok. Y a rien. On va vérifier vite fait ici. Et y a rien non plus. Ok. Vas-y, on va courir un peu. C'est quoi ça? J'ai senti un truc sur ma jambe, j'ai flippé. C'est Bobby, il est caché sous le lit. Je raconte n'importe quoi des fois. Bonjour. Wow. Fuck. C'est quoi ce bruit? Oh. Putain, là par contre ça pue. Il y a des casiers partout. Je sens qu'on va bientôt devoir se cacher. T'as pas un truc à me donner toi? Puis c'est pour vous cacher. Non, je vais pas me cacher maintenant. Mais bon, si vous mettez des casiers... Ah, un dossier. Vite, on va le dire. Donc, monsieur Walsh... Walsh, ouais, ça, je crois que ça se prononce comme ça. Je vous prie d'accepter la démission de l'infirmier David Annapurna avec effet immédiat et de le traiter en tant que patient à Mount Massive en vue de soigner son délire de la persécution. Le traitement se poursuivra jusqu'à sa mort, merci vieux Rick Trager. Donc Rick Trager, c'est celui qu'on a buté, c'est le docteur. Enfin, il me semble. Dites-moi s'il dit des bêtises en commentaire, mais je crois que c'est lui, Trager. Est-ce qu'on peut se voir dans le miroir? Ça, c'est un petit peu dommage, vous voyez. On voit pas son reflet. Bon, en même temps, c'est une version... une vieille version, hein. Peut-être que dans le Outlast 2, on pourra se voir dans des miroirs et tout. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Donc ici on n'a rien oublié. Hein. Ouais, je pense que c'est bon. Par contre les bruits là, c'est pas rassurant ces bruits. Hein. Je sais pas vous, mais c'est pas rassurant du tout. Hop. Je préfère ouvrir tout doucement, parce qu'on sait jamais. Est-ce qu'on peut passer par là? Non, il n'y a pas des piles qui traînent. Non. Par contre c'est trop calme là depuis un bon moment. J'aime pas du tout ça. Ça nous sautait à la gueule dans pas longtemps. Ok, on peut passer par là. On va continuer à fouiller un petit peu. Vas-y, on va courir un peu. Par là, il n'y a rien non plus. Là, je suppose que ça va être... Ah non, c'est ouvert. Je crois que ça allait être fermé ici. Il y a quoi ici? Des piles. Donne-moi des piles. C'est tout ce qu'il y a, je pense. Hop. Bon bah je pense que vous savez où est-ce qu'il faut aller. Il faut monter là. Ici. On entend des bruits de flammes. Il y a du sang aussi. Une trace de main. Waouh. C'est quoi ce bordel? C'est qui a foutu le feu? Je pense pas que c'est Bobby. Il a passé l'intelligence pour faire ça. Ouais. Oh, t'es qui toi? Il fallait que je mette le feu. Ah, c'est toi. Que je fasse tout brûler. Murkoff nous a tout pris. C'est servi de nous. Ouais. C'est un enfoiré, Murkoff. On est en train de faire ces choses parce que personne ne s'intéresse à quelques cinglés oubliés du monde. Alors, autant que ça brûle, jusqu'aux fondations, sortez. Si vous tenez à la vie, vous pouvez passer par les cuisines. Ok. Ok, ok. Donc on a reçu une note. On va la lire. Laissez cramer. Je suis pas la seule victime ici, loin de là. Je vois un mec attendre de cramer la mort la plus douloureuse qui soit plutôt que de devoir rester ici. Ouais. Effectivement. Bon courage, mec. À mon avis, tu vas mourir dans d'atroces souffrances, mais bon. Entre choisir cette mort-là et puis la mort de Bobby ou je sais pas quoi, là. Je sais pas ce que je pourrais choisir entre les deux. Les deux, c'est horrible. Je pense qu'il faut passer... Par là. Est-ce qu'on peut pas sauter directement là? Non, je pense pas. Passer par là. Hop. Ouais, donc Murkoff, je sais plus si c'est le mec avec les ciseaux ou si c'est quelqu'un. À vrai dire, je me rappelle plus trop de l'histoire. Mais bon, c'est pas tellement gênant, on va dire. Ouais. Y a rien d'autre. Bon. Par contre, le mec au violon là, tu vas te calmer. Hein. On va fermer la porte. Hop. Y'a rien ici. Pas de pile.
Non. Bon, allez, courir un peu. C'est quoi ce bruit? C'est par là. Bonjour. Oula. C'est quoi cette pièce? Ça continue. Encore par là. Je sais pas si c'est la suite ici ou bien c'était le... On va déjà fouiller ici. On va voir. C'est quoi ça? C'est une pile? Non. On va changer la pile tout de suite. Hop. Toi tu restes tranquille. Hein. Ah, un dossier. On va le lire. Si vous voyez des choses, dites-le. Le syndrome psychopathologique de stress de proximité, SPSP, n'a rien de honteux. Parlez-en à votre superviseur afin d'obtenir l'aide d'un conseiller en réussite de Murkoff. Ouais. Ok, c'est bien cool tout ça. Toi, tu restes tranquille. Hop. Je suis sûr qu'il y a des piles ici. Non, pas de piles. Vraiment. Bon. Je suis déçu. Pas trouvé de piles. Hop, on sort d'ici, il n'y a plus rien. Donc on est obligé d'aller là-bas où on a vu le petit trou là de souris. Ici. On y va. Et là je sens qu'il y a un truc qui va nous sauter dessus, c'est sûr. Et non. Par contre là je sens que... Ça va bientôt nous sauter dessus là. Sauvegarde. Ah oui. Je sens que ça va venir les amis. On va tous se faire caca dessus. Pas longtemps. Ici il y a quoi? Oh oui. Oh oui 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 oui. Il y a Bobby qui va revenir. Il n'y a pas d'eau dans le système, vous devez tout d'abord ouvrir les deux vannes. Ah. Cool. C'est cool tout ça. Je sens que Bobby il est là-bas. Cafétéria, bas. Ouais. Si tu veux. Ok. Pas tellement envie d'aller là. Y'a Bobby! Y'a Bobby! Casse-toi. Y'a Bobby. Je savais qu'il y avait Bobby. Notre ami Bobby, il est de retour. Vas-y, viens Bobby, j'ai pas peur de toi maintenant. J'ai plus peur de toi, Bobby. Viens. Vas-y, viens Bobby. Faudra que je compte à la fin du let's play le nombre de fois que j'ai dit Bobby dans le let's play. Déjà, je crois que c'était l'épisode précédent ou l'autre d'avant, je sais pas combien de fois j'ai dit Bobby. Je crois qu'il arrive. Je crois qu'il arrive Bobby. Vas-y, viens Bobby. Je t'entends. T'entends Bobby? Putain, j'ai peur. T'es où Bobby? J'entends. Bobby, vas-y passe par là. Je t'ai entendu Bobby. On est où là? Je sais pas du tout où est-ce qu'on... Ferme la porte, on sait jamais. Si jamais il... Si jamais Bobby il a maigri... Tu peux fermer? Merci. Changer la pile. Tiki toi. Mais est-ce que... C'est qu'on est très sale. On va te laisser avec ton copain. Je commence à flipper un peu quand même là. Parce que tu sais pas à quel moment il va te sauter à la gueule Bobby. Bon là je pense qu'on est tranquille. On va fermer la porte quand même. J'aime bien fermer les portes, on sait jamais. Donc on a une vanne ici. Hop. Ça c'est fait. Vas-y ouvre. Il n'y a pas des trucs, des piles ou quoi ici? Je sais pas. Toi tu vas rester tranquille. Hein.
pleure le feu, d'accord, il faut qu'on nettoie. Ouais. Continue à le nettoyer, t'as raison. Attention. Non, je pense que là, Bobby peut pas nous... Il peut pas nous atteindre ici, Bobby. Par contre, là... Là, il peut nous avoir d'ici. T'es où, Bobby? Oh, putain. Il est là. Je t'entends, Bobby. Oh, Bobby! Ça fait plaisir de te revoir. Ça va? La forme? Putain, t'as du sang partout, Bobby. Va te laver. Oh, coupure. Re tout le monde, désolé pour cette petite coupure. J'ai dû partir précipitamment parce qu'il y a quelqu'un qui a sonné à l'interphone. Alors qu'il y a notre Bobby qui est là toujours. Donc ouais, quelqu'un qui voulait que j'ouvre la porte. Parce que comme j'habite dans un immeuble... Les gens ils sonnent et tout pour qu'on leur ouvre la porte. Enfin bref. Allez Bobby, dégage. Vas-y, casse-toi Bobby. Je veux passer. Je veux pas qu'on... Je veux pas qu'on veut que je vienne au fight avec toi. Voilà, c'est bien Bobby. Attends. Tu pars hein Bobby, tu fais pas des feintes hein. Attention Bobby, je te surveille. Oh! Casse-toi! Je sais pas où je vais. Vas-y, passe par là. Voilà, tu peux pas m'avoir d'ici Bobby. Ah c'est con hein. Putain, il m'a fait peur la musique. Mais c'est la musique en fait qui fait peur, c'est pas Bobby. Putain de musique là. Je sais pas ce qu'il joue là, le piano, violon, guitare, je sais pas. Mais c'est... Vas-y, dégage, Bobby. En fait, c'est pas Bobby qui fait peur. Oh! Il a essayé de m'attraper! Ah, tu peux pas passer, Bobby, c'est con, hein. Ah, t'es énervé, hein. Tu peux pas passer. Fais un régime, Bobby. Comme ça, tu pourras passer après. Il a essayé de m'attraper. Il est fou, Bobby. Il a essayé de m'attraper. Bon, arrêtez la musique là, c'est bon, il va pas venir par là, là. Arrêtez. C'est bon, la musique, stop. Oh là là. Eh, faut vous calmer sur la musique, les gars. Allô, la musique. Ah, ça commence à se calmer, je crois. Non. Putain. Arrêtez la musique. Il est pas là. Voilà, merci. Allez, on y retourne. Attendez. Après, c'est parce que j'ai couru, en fait. J'aurais pas dû courir. C'est parce que j'ai couru. Il est là-bas. On va passer par là, alors. Ça, on est d'accord qu'on peut toujours pas l'activer. Il est là, Bobby. Je l'ai vu. Je t'ai vu, Bobby. Putain. Je crois qu'il va se retourner, là. Tu vas où, Bobby? Oh ta mère, Bobby! Vite, vite, cours, 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 cours! Par là! Passe! Wow! Hop! Vas-y, ouvre! Oh, culé! Vas-y, voilà, casse-toi! Putain, faut aller où? Faut aller où? Vas-y, on se casse, on se casse.
Par là, par là, par là. Putain, Bobby! Oh mon dieu! Ça va, t'as fait du sport, Bobby? C'est bien. Putain, mais il va nous laisser passer ou pas, Bobby, là? On va changer encore la pile. Mais ça, ça me rassure pas d'utiliser toutes les piles, là. Je crois savoir où est-ce qu'il faut aller. On est passé à côté, je crois. Mais ce qui est chiant, c'est que Bobby, à chaque fois, il nous voit. Et du coup, je suis paniqué. Bon. Je sais que t'es là, Bobby. On avait déjà été ici. T'entends, Bobby? Je t'entends. Putain, j'ai eu peur. Il est là. Je te vois, Bobby. Tu vas où, Bobby? Ok. En plus, c'est par là qu'il faut que j'aille, en plus, je crois. Je crois que c'est par là qu'il faut que j'aille. Attendez, on va éteindre. Il est où, ce connard? Il est là. Non, tu m'as pas vu. Putain, la batterie encore. Il est où? C'est là. On se casse. On se cache. Hop. C'est bon. On a activé les deux trucs. Du coup, il nous reste qu'à activer le machin là-bas au début. Et on sera bon. Par contre, j'ai peur qu'il ouvre le casier. J'ai peur qu'il ouvre le casier, les amis. On va bien voir. Il arrive. Il est là. Il est là, il est là. Je sais que t'es là, Bobby. Je sens ton odeur. Vas-y, dégage, Bobby. Je t'entends encore, Bobby. Bon, désolé, là, c'est pas très passionnant, mais il est juste à côté. Ah, c'est bon, je crois qu'il est parti. Attendez, je crois que je l'entends encore. Putain, les trompettes, là. Calmez-vous un peu, là. Il est encore à côté, je l'entends. Hein. Je crois qu'on va devoir taper un sprint. On l'entend. J'essaie d'écouter en fait.
Pour ça, je parle pas trop. Non, il est là, il est à côté. Il est là. C'est bon, je crois qu'il est parti. Encore des casiers pour se cacher ici. Oh, il arrive. Putain, j'ai plus de piles. Vite, change. Je crois qu'il y avait un... Non, il n'y a rien pour se cacher ici. Putain. On est dans le caca. On est dans le caca. Il va nous voir ici. Il est là. Je l'ai vu. Je t'ai vu, Bobby. T'as vu, Bobby? Il est là. Et c'est où qu'on doit aller, nous? Je sais plus. C'est pas par là, en tout cas. Je crois que c'est par là. C'est là. Trouver le père Martin à l'extérieur. Et c'est où l'extérieur? C'est où l'extérieur? Je sais pas. Je sais pas du tout où est-ce que c'est l'extérieur. En plus, je suis nul en anglais. Putain, c'est où qu'il faut aller? Je sais pas du tout où est-ce qu'il faut aller, les amis. On avance, on va bien voir. Oh! Connard! Putain! Enculé! C'est pas lui qui devait mourir là! Foiré, viens! Viens te battre! Ouais, forcément tu fermes, hein! Putain! En plus, je savais qu'à un moment il allait avoir un truc là. Mais je savais plus exactement où. Oh putain, c'est dégueulasse. Putain, il m'a fait peur, cet enculé. Où est-ce qu'il faut aller, du coup? Faut sauter là-dedans? Non. Putain, pourquoi je fais ce jeu, là? Sérieusement. On va pas tarder à se laisser. Enfin, encore 5 minutes. D'ailleurs, l'épisode prochain, donc l'épisode 7, je vais l'enregistrer à la suite de celui-là. Ah, sauvegarde. Ça pue. Ça pue les sauvegardes. On va retomber encore sur Bobby, c'est ça? T'es où, Bobby? Ah. Voilà la sortie. Oh putain, ça donne pas envie de sortir, en fait. On est mieux ici, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais on est mieux ici. Il y a peut-être des trucs là. On va aller voir. Aïe. Wow! Fuck! Putain, le tonnerre. Calme-toi. Des piles. Ça, je prends. Oh, 2 piles. Cool. Ça valait le coup de venir ici, en fait. Hop. Vas-y, monte. C'est là, il y a un truc qui nous tombe dessus, vous savez, dès qu'on remonte. Je pense qu'on a tout. On va aller fouiller vite fait ici avant de sortir. Putain, j'ai pas du tout envie de sortir, en fait. J'ai pas envie. Ah. Un petit dossier. On va le lire. Non, c'est pas là. C'est là. Programme, Coultra, document CIA, dossier objet, recherche spéciale.
Bluebird. Problématique générale, depuis plusieurs mois, Bluebird a cherché à établir par des recherches, études, instructions et quelques essais pratiques, la valeur éventuelle des techniques SI, sommeil induit et H, hypnotique, dans le cadre d'un conflit des tâches spécifiques de l'agence. Putain, j'ai du mal à le sortir celui-là. Est-il possible de générer par contrôle post-it une action contraire aux valeurs morales élémentaires d'un individu? Est-il possible de garantir une amnésie complète de toutes les conditions? Est-il possible d'altérer la personnalité d'un individu? Si oui, pour combien de temps? Quelles sont les caractéristiques complètes d'une machine à induction de sommeil? C'est tout ce qu'on a. Ok, je me serais cru dans un devoir de français ou je sais pas quoi là. Oh, c'est la matrice. Matrix. Putain, j'ai eu peur de ce machin là. Vas-y, ouvre. Bonjour. Je cherche des piles, s'il vous plaît. Ou une note pour lire. Parce que j'ai pas envie de sortir en fait tout de suite. Ah, petite pile. Ça fait plaisir. On va éteindre. Hop. Bon. Je vais faire l'enfoiré. Et je pense que je vais pas sortir tout de suite. Et on le fera dans l'épisode prochain. Voilà. Bon bah j'espère que cet épisode vous aura plu. J'aurais beaucoup crié encore à cause de Bobby. Non mais c'est surtout les musiques qui font flipper en fait. C'est surtout les musiques. Ouais. Avec leur trompette ou je sais pas quoi là, ça. Dès qu'ils nous courent après, avec la musique, ça fait flipper quoi. Et ouais, donc on verra ce qui se trame à l'extérieur, s'il n'y a rien de rassurant avec les éclairs, le tonnerre et tout. On sait pas ce qu'on va trouver dehors, peut-être Bobby encore, je ne sais pas. Enfin si, je le sais, mais je vais rien vous dire. Et donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus. Et on se retrouve très bientôt pour l'épisode 7, comme je vous ai dit que je vais enregistrer juste après. Donc voilà, c'était Kero, portez-vous bien tout le monde, ciao.